signe que vos reins sont malades et qu'il faut agir d'urgence. Les reins sont l'un des organes les plus importants du corps humain. Ils sont polyvalents, et permettent d'assurer le bon fonctionnement des autres organes du corps. Tout dysfonctionnement de ces derniers pourrait mener à des maladies plus ou moins graves. Dans cet article, nous vous listons les 10 symptômes avant-coureurs des maladies des reins. Depuis quelques semaines, vous ne vous sentez plus comme avant, vous n'arrivez plus à dormir, et vous êtes fatigué même quand vous ne fournissez aucun effort. Vous vous demandez ce qui pourrait bien se passer dans votre corps. Et si c'était vos reins qui vous causaient tous ces maux, retrouvez la réponse dans cet article. Voici donc une liste des 10 symptômes les plus fréquents. 1. Vous avez du mal à dormir. L'insomnie est l'un des symptômes les plus répandus chez les sujets souffrant d'un dysfonctionnement des reins. Quand vos reins fonctionnent mal, cela signifie que les toxines de votre corps ne sont pas éliminées par l'urine. Le taux de toxines dans votre sang va donc s'élever, causant ainsi de nombreux problèmes dont l'insomnie. De plus, l'apnée du sommeil peut accélérer le déclin de la fonction rénale. 2. Fatigue générale et migraine. Parmi les fonctions principales des reins, on retrouve la conversion de la vitamine D, ces deux dernières permettent de renforcer les os. Les reins sont également responsables de la production d'une hormone glycoprotéique très importante dans la production de globules rouges, l'érythropoïétine. Quand les reins fonctionnent mal, ces deux fonctions sont altérées, d'où l'apparition de l'anémie qui est souvent responsable d'un sentiment de faiblesse et de fatigue que ressentent la majorité de personnes atteintes d'une maladie des reins. 3. Problèmes cutanés. Si vous ressentez des démangeaisons, et que vous remarquez que votre peau est sèche, et qu'elle commence à tirer, vous souffrez peut-être d'un problème rénal. En effet, ces problèmes cutanés sont causés par l'accumulation des déchets que le corps a du mal à évacuer. 4. Mauvaise haleine et goût de métal dans la bouche. Plusieurs patients atteints de maladies rénales affirment qu'ils ont remarqué un changement de leur haleine, ainsi qu'une sensation de goût amer, ou métallique dans la bouche. Ce phénomène est connu sous le nom de dysgeusie, une altération du goût pouvant être causée par le dysfonctionnement des reins, et pouvant mener à des problèmes tels que la perte d'appétit et de poids. 5. Problèmes respiratoires. La difficulté respiratoire est l'un des symptômes fréquents des maladies rénales. Ce manque de souffle est causé par une accumulation d'eau dans les poumons, ainsi que par l'anémie qui est également causée par le dysfonctionnement rénal. 6. Œdème des extrémités. Comme on vous l'a déjà expliqué, le mauvais fonctionnement des reins conduit à une rétention d'eau, causée par l'accumulation du sodium et à une incapacité d'éliminer correctement l'excès d'eau, d'où le gonflement de certaines parties de votre corps. Ces douleurs au niveau du dos. Comme plusieurs autres maladies, le dysfonctionnement rénal peut causer des douleurs intenses situées au niveau du dos pouvant se répandre jusqu'aux hanches et jambes. Ces douleurs sont souvent accompagnées de nausées et de sensations de faiblesse, etc. 8. Yeux fatigués et gonflés. L'endommagement du système de filtration des reins peut causer la sécrétion d'une quantité importante de protéines à travers l'urine. Chose qui cause une carence protéinique, d'où le gonflement des yeux. 9. Hypertension artérielle. Votre circulation sanguine et vos reins sont étroitement liés. C'est pour cela que si vos reins ne filtrent pas l'excès de fluide, vos vaisseaux sanguins s'endommagent, conduisant à des problèmes tels qu'une hausse de la tension artérielle. 10. Changement de la couleur ou texture de l'urine. Finalement, la couleur de l'urine,
La texture et le nombre de fois où vous vous rendez aux toilettes peuvent être des éléments très révélateurs sur la santé de vos reins. Un changement subi de ces derniers doit vous emmener à consulter rapidement votre médecin. Ces symptômes peuvent révéler plusieurs types de maladies rénales, cependant, il est essentiel de consulter un médecin afin de connaître la nature de votre maladie, ainsi que le traitement pour la guérir.